Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, je vous montre comment faire la vidange de votre roue de secours. L'air contient toujours une certaine quantité d'humidité. Aujourd'hui, il y a du soleil, il n'y a pas plu, et pourtant, il y a de l'humidité dans l'air. Là, j'ai un hygromètre. Et regardez, on est quand même à 34% d'humidité. Ce qui se passe, c'est qu'avec les variations de température, chaud puis froid, les molécules d'eau qui sont dans l'air vont se regrouper et vont former de fines gouttelettes et elles vont se coller aux parois. C'est ce qu'on appelle la condensation. C'est un phénomène qui se produit dans votre réservoir d'essence. Si vous laissez juste un peu d'essence et que vous immobilisez la voiture longtemps, avec les variations de température et la dilatation et la rétractation de l'air, il va y avoir de l'eau qui va se former à l'intérieur du réservoir et vous allez avoir de l'eau dans votre essence. Et pour la roue de secours, et bien vu qu'elle est gonflée avec de l'air, c'est pareil. Certains garages proposent de gonfler les pneus avec de l'azote pur. Ça offre l'avantage qu'il n'y a ni oxygène, ni vapeur d'eau. Et donc dans ce cas, aucun problème de condensation. Donc une fois tous les 10 ou 15 ans, il faut sortir votre roue de secours et la vidanger. Et je vous montre comment tout de suite sur la Twingo. Dans la Twingo, la roue de secours est dans le coffre. Facile d'accès. Et pour la sortir, c'est assez simple, on enlève la moquette, triangle toujours dans le coffre, hein. On dévisse ça, hop, et là, on peut tout de suite sortir la roue. Voilà. Vous entendez ça? Vous entendez un peu? Là, il y a clairement un problème de condensation. Alors pour réaliser cette opération de vidange, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'outils, juste de quelque chose pour gonfler la roue et un tournevis cruciforme. Alors la première étape pour réaliser cette vidange, c'est de monter la pression de l'air dans la roue. Donc pour ça, vous enlevez le petit capuchon, vous prenez votre gonfleur, vous le branchez, et là, vous augmentez la pression jusque 2,5 bar. Et là, vous entendez un peu le bruit des bulles. Voilà, 2,5 bar, ça suffit. Ensuite, une fois que la pression est bien montée, vous réalisez la vidange avec le tournevis. Gardez-moi ça. Gardez-moi toute cette flotte qui sort. Ok, voilà, vraiment, n'hésitez pas à y aller, hein, vous laissez bien couler. Vraiment y aller, purger complètement toute cette eau de condensation. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Si vous voulez travailler un peu plus propre et pas en mettre partout, vous prenez une bassine et vous mettez la roue au-dessus. Voilà. Ensuite, vous cherchez où est la valve et là, vous videz. Voilà, donc là, vous laissez vraiment bien couler jusqu'à la dernière goutte. Hein. Ok, là clairement, j'aurais dire que le propriétaire précédent, il a vraiment pas assuré niveau entretien. Hein. Donc ça, c'est un classique des voitures mal entretenues. Hein. Quand ça arrive vers la fin, vous penchez un petit peu la roue pour ramener toute l'eau vers la valve et vous sortez le reste de l'eau qui est dans la roue. Il était vraiment temps que je le fasse. Hein. Donc n'ayez pas peur de purger vraiment à fond, vous pouvez faire aucun mal à votre roue de secours. En plus de ça, elle est froide. Voilà, alors une fois que vous avez fini, il n'y a plus que de l'air qui sort. Là, vous êtes bon, votre roue de secours est vidangée. Voilà, donc une fois que vous vous êtes assuré qu'il n'y a vraiment plus d'eau dans votre roue, attention, j'insiste bien, cette étape est importante. Vous vérifiez bien qu'il n'y a plus que de l'air qui sort. À ce moment-là seulement, vous prenez votre gonfleur et vous remettez la roue de secours sous pression. Donc là, je vais mettre 2,1 bar. Voilà, on est bon. Plus qu'à remettre le capuchon et à remettre la roue de secours dans le coffre. Mais ça, je vous montre pas, vous savez comment faire. Donc voilà comment je fais pour réaliser la vidange de ma roue de secours. Prenez le temps de le faire, ça dure 5 minutes, vous voyez, vous faites ça une fois tous les 10 ans. C'est vraiment une opération d'entretien de base. Si vous cherchez les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, eh bien débrouillez-vous. Je ne vous mets pas les liens dans la description. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Poisson d'Avril.